de la base du Zerg. Et attention, parce que le Zerg, lui, pendant qu'il a pété la B3 du terrain, il a fait une B4. Voilà, le Zerg s'est mis très très bien dans sa game. Il a joué vraiment intelligemment sur ses postes de base. Il y en a les mutas qui sont là. Hop là, attention de ne pas les donner, c'est fragile face aux Marines quand même. Deux drones qui sont donnés également. Le Terran qui tente de rentrer, le Terran qui a vu une B4. Voilà, il va y aller le Terran tout de suite. Il va essayer de freiner tout ça. C'est important, il a raison, il le sait. On a les mutas qui arrivent, attention, on va avoir une engage là. Le Zerg, il va l'abandonner, ça fait 4 Zerg, il la reposera après, il s'en fout. Et il va tenter de gratter un medivac avec les mutas, voilà, il va reculer, hop hop, il la donne sa B4, c'est pas grave. Il va attirer le Terran dans un petit piège des familles, à moins que le Terran drop tout simplement. Et non, le Zerg y va, plein bourre, oh là là, et ça pète dans tous les sens, les Banelings. Et les mutas derrière pour nettoyer les medivacs, voilà qui est fait rien, et les mutas là qui vont faire tout tomber. Et là on a un petit lag, désolé. Et là on a les mutas qui sont en train d'avancer. Hey, merci Elrel pour la petite info. Et là attention, on a les renforts de Slide qui arrivent. Et qui va enterrer ses mines peut-être, oui voilà, il les a enterrés en quinconce. Et là boum, le groupe de mutas qui prend cher. Et les Banelings encore qui font le café. Il y en a suffisamment du côté de Siglav. Et il continue de mettre la pression sur le Terran. Il a reposé sa B4 derrière. Et voilà, les Speedings sont en train de se faire les maraudeurs un par un. C'est ce qu'il faut. Oh là là, c'est bien joué, les renforts du Zerg quasi illimité maintenant. Sa macro est bien en place. Et les mutas qui viennent embêter une fois de plus la B3 du Terran. Slide qui se bagarre comme un diable pour essayer de tenir sur cette première manche. Et le Terran qui arrive encore à tenir debout pour l'instant. C'est une très très belle première manche dans cette finale, vraiment. Un Zerg vraiment agressif, qui est dans le ton, et un Terran qui arrive à gérer sa macro, à gérer sa bio, bien qu'il est en difficulté, c'est sûr. Mais pour l'instant, il est encore là. Et c'est une super partie, et le Terran tient avec ses mules, tient comme il peut. Attention tout de même là, le Muta maintenant, qui vont faire du haras dans tous les sens. Et il a réussi à péter la tourelle et va déranger la B2 maintenant. Un Siglav qui est vraiment, vraiment sur tous les fronts. Et là, regardez le Terran qui repart vers la base Zerg avec tout ce qu'il a, quasiment. Attention quand même. Parce que là, la B2 a été prise par le Zerg. Et là, clairement, on voit bien cette première manche pour le Zerg. Parce que là, il y a énormément en face. Regardez. Eh ouais, le joli circle là. Et voilà, les Banelings qui font le café. Le GG de Slide. Et le premier point pour Siglav. On le voyait là sur cet engage de fight. Hein. Ça a été vraiment rude. Mais sur la fin, le Zerg a pris la dominante. Façon de parler, évidemment. Dominante. Mais il a très bien joué le coup. Et c'est vrai qu'il n'a jamais laissé son adversaire tranquille. Et ça a fait la différence sur cette première manche. Donc on va mettre ce premier point pour le Zerg. 1-0 dans ce TVZ. Voilà. On va attendre maintenant que Slide choisisse sa carte.
Alors on a voulu me mettre finaliste, alors j'avais peut-être pas vu, vu que la taille de la fenêtre est un peu petite dans la préparation. Mais j'étais finaliste quelques secondes de cet Orbital War numéro 15, j'étais content. C'était moi face à Sly sur la base du roi Sejong. Ça n'a été que de courte durée et de toute façon je me serais fait littéralement massacrer. Donc ce n'était pas dans l'idée, mais ça aurait été marrant quand même. Alors, donc, premier point pour Siglav, on le rappelle, le Zerg qui l'a emporté la première manche qui vient de se terminer. Donc, Slide a naturellement choisi la base du roi Sejong, une map qu'il affectionne particulièrement. Et maintenant, on va voir comment va réagir Slide face à ce Zerg agressif mais efficace, Siglav. Attention, balle de match pour le Zerg. Mais rien n'est fait. Et Sly ne va pas se laisser avoir comme ça. Il a quand même son second titre Orbital War en jeu. Pas laisser passer une occasion pareille. Premier dépôt posé. Normal, le dominant qui part. La chasse aux infos. Et là, on est évidemment en Omnicrospo puisqu'il n'y a que deux bases possibles. Donc évidemment, on sait où est son adversaire. Donc ça va être une map bizarrement... Pourquoi il aurait choisi une map comme ça, Slide? C'est une map qui pourrait plaire à un Zerg aussi. Quoique, au vu de la configuration, on peut dropper un peu partout. Donc je vois peut-être cette option-là, cette fenêtre-là pour le terrain. On verra bien comment va la jouer Slide. En tout cas, il commence à faire son mur sur la Choc B2. Avec cette Raxe en construction. On drone évidemment du côté... De Siglav, le Zerg, et on va aller faire notre petite Hatch First qui va arriver maintenant. Voilà, paf, Hatch First pour le Zerg. On repart comme tout à l'heure. Et c'est quelque chose de classique pour un Zerg de faire Hatch First. Donc c'est normal, bien que je dis n'importe quoi, parce que tout à l'heure il me semble que le Zerg ne l'a pas fait, puisqu'il a fait Banning Burst. Donc il n'y a pas eu Hatch First tout à l'heure. Allez, la poule qui vient juste derrière, c'est normal. Et là, on a le Orbital Command en cours. Trois drones au gaz, et donc on va voir le Reaper. Non, même pas, si, il est là, je l'ai vu quelque part. Non, il n'y a pas de Reaper cette fois-ci. On fait du Marines et du Marines. Go, go, go. Allez, garçon, à la guerre, tout seul. Tu n'as pas peur. Petit lag, tout seul. Aussi, j'envoie un Marines à l'arrêt. Ah, est-ce que c'est moi qui lag? Non, j'espère quand même pas. Non, apparemment non. Allez, on a la Raxe qui va servir à bien jouer la slide. Il prend la vue. Et là, regardez... Ça lui permet de shooter le dominant. Il essaye de le Zerg du coup de l'utiliser, quitte à le faire tuer, avoir les infos. Là il voit la facto, il voit pas la B2, voilà. Il aura pris au moins ça comme information. Et le mur est désormais fermé pour le Terran au niveau de la B2. Bien joué de la part de Slide. Fallait y penser. Prendre la vision avec sa Raxe. Et on pose une spine du coup en B2 pour le Zerg parce qu'on n'a pas vu. Deux secondes base Terran. Et là, on a un autre dominant qui vient suppléer celui qui vient de mourir. Une queen. Alors, il y a quelques ralentissements. Et oui, ça énerve les joueurs. Slide se demande. Et non, c'est LRL qui lag. C'est LRL. Alors, il faudrait peut-être... Ouais, voilà, c'est pas moi. Ouais, c'est pas toi, Slide. Voilà, LRL a quitté pour éviter de déranger les joueurs. Deuxième queen qui sort pour Siglav. Avec cet aiguille rampant pour protéger cette B2. Et voilà, maintenant on a la deuxième base de Slide qui est en cours de construction. Et cette Raxe qui servait à prendre la vue qui va aller se remettre dans les hauteurs. Et pour l'instant du coup, on a ouvert la porte en cas, puisqu'on sait que le Zerg semblerait que l'on sache. Le Zerg ne va pas être agressif pour le moment. Et je veux voir qu'est-ce que... Ah ouais, Slide n'a même pas été voir chez le Zerg. Même pas du tout.
Et Siglav, lui, a vu pour l'instant évidemment ce mur et la B1. Alors, en termes d'information, voilà, on va en avoir un peu plus avec ce dominant. Et en termes d'infos, c'est vrai que on n'est pas verni. Et on entend une nouvelle queen qui vient de sortir. On est donc sur 3 queens pour l'instant. Donc on sent le petit build 4 queens de Siglav. Efficace face à Terran évidemment. Le Zerg du coup un peu plus défensif que tout à l'heure. Plus macro. Plus safe. Moins de risques. On le rappelle avec le Panning Burst tout à l'heure. Puis transiter sur Violet Push. Qui a été bien fait par Siglav et qui lui a permis de prendre le premier point. On a deux Hélions là qui sont en train de camper devant la base du Zerg. Ils ont les jumelles, ils prennent les infos. Hop hop hop. Mais pour l'instant, rien de dangereux. Bon, ils ont été spot en tout cas. Il y a une queen qui arrive, vénère. Allez, tiens. Elle est partie chasser tout ça. Ici, c'est mon territoire. Pas touché. Et on attend bien évidemment l'arrivée d'une B3 pour le Zerg. Sûrement, qui ne va pas traîner. Le Terran, vu hélico. Allez, le mur est fini. Ici, on a rajouté un spatio. Rien du tout, pardon, pas 1-1-1, sinon c'est 1-2-1. Puisqu'on a deux facto pour le Terran pour l'instant. Deux facto. Avec du tank cette fois-ci. Oui, du tank qui sort. Donc il y aura du tank de la. Qu'est-ce qu'il nous fait? Du Hélion. Tank Hélion. Et on part pas Bioball. On partirait plutôt Mecha pour le Terran. Attention, très coûteux le Mecha. Mais. Peut surprendre le Zerg. Peut-être. Mais bon, voilà. Le Zerg qui arrive lui aussi. Avec pas mal de roach pour un timing push. Aux alentours de 8-10 minutes. Et oui, le Zerg qui vient. Allez, c'est parti. On a quand même beaucoup d'Hélions là. Oh, il a vu les roaches, il revient, il siège chez Tank tout de suite, Slide. Oui. Attention, ça. Boum. Voilà. Là, le Terran qui renvoie la balle au Zerg. Là, il a vu les banning cancel tout de suite par Siglav. Et là, il va falloir peut-être changer d'orientation de jeu pour le Zerg. Car les tanks siège et compagnie vont mettre à mal son push. Et il le sait. Le Terran qui va observer, voir un peu ce qui se passe. Évidemment, il va pas faire de scan pour économiser son énergie pour des mules. Il en a besoin, là. Et il cherche l'armée du Zerg. Et il va la trouver. Voilà, il l'a. Il l'a là. Et oui, mais là, il y a beaucoup de roach pour le Terran. Attention, les roach aiment bien les Hélions. Parce que ça ne leur fait pas beaucoup de dégâts. Et là, on a beaucoup de speedlings, par contre, qui s'en vont droit dans les roach. Et ils sont changés en Hellbat en plus. Attention les spinlings de pas aller là-dedans. Ça risque de faire très 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 mal. Et le Terran qui décide lui de passer. Oh, peut-être drop Hellbat pour le Terran dans la ligne de minerai. Peut-être. A voir. Non, pour l'instant, non du tout. Allez, on siège chez Tank du côté Terran. Cette fois c'est Slide qui est agressif. Mais regardez ce que fait le Zerg. Le Zerg envoie une fournée de spinlings puisqu'il sent l'attaque venir. Et il part du coup lui aussi à l'attaque. Mais est-ce que le Terran a fermé? Il a oublié de fermer son mur, le Terran! Il a oublié de fermer son wall! Aïe aïe aïe! Oh là 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 là, on va suivre ça parce que du coup, à chaque fois on rate les. Ah 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 ah, il rate le tank. Et le tank il va faire ce qu'il faut. On revient ici. Ce T2 en B2 qui va se faire littéralement brûler et mitrailler. Voilà! Et il n'y a plus de T2 pour le Zerg. Plus de T2 pour le Zerg pour l'instant. Alors qu'ici on a encore des speedlings qui sont en train de gratter des bâtiments Terran. On est un peu en train de base là, mais le Terran est plutôt bien quand même. Il va tenter un drop. Un drop sur la B3. Voilà. Attention de ne pas perdre ses medivacs avec la Queen. Faut poser tout de suite. Non, on pose pas. Si on pose, on pose pas. Oui. On pose. Et l'armée du Terran qui arrive. Qui nettoie tout ici. On a les bâtiments qui ont été décollés par le Terran. On est un peu en train de. Voilà, on lève tout. Les Speedlings et les Roaches qui font le café aussi de leur côté. Et le drop Terran qui fait du mal. L'armée. La main qui rentre en B1. Oh, attention, il y a quand même beaucoup de Roaches. On siège les tanks. C'est bien joué de la part de Slide. On dessiège, on resiège, on siège, on redessiège.
On se regarde pour l'instant. On a tout levé du côté du terrain. Maintenant, il faut se faire cette B1. C'est ce qu'il doit se dire. Voilà, joli. Les tanks siègent. On a repassé ces lions en Hellbat et ainsi de suite. On sait pas trop comment s'y prendre là pour le terrain pour finir ce Zerg. Et il va. On la joue un peu à la mode campagne là. Et on fait encore un petit rod supplémentaire pour. Ah, il y a plus de sous là. Il y a plus de sous en banque. Ah si, 1000 de minerai quand même. De chaque côté. Et plus de gaz pour le Zerg. Et encore du gaz pour le terrain pour l'instant. Et on voit le terrain, regardez, il amène ses CC chez le Zerg. Tout est debout là. Allez. Les Speedlink, ils sont venus derrière pour gratter les tanks. Ils ont réussi. Le Medivac continue de healer les Hellbats pour l'instant. Les tanks sont morts. Les Hellbats qui brûlent tout ce qui peut rester à être brûlé. Oui. La Queen qui va tomber. Voilà. Et maintenant les drones qui vont être pris sur le côté, regardez ça, barbecue party. Et voilà, hop, et on drop pour essayer de les attraper. Et voilà, ah, joli, joli. Et maintenant des roches qui sont sortis là, en plus, pour défendre. Mais il y a beaucoup d'Hellbats. Oh, joli la micro de slide, vous l'avez peut-être vu là avec les Medivac. Il les prend, il les fait descendre, pour aller sauver. Et ça marche. Et c'est GG, un partout! Un partout entre les deux joueurs! Oh là 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 là! Ils ne vont pas se lâcher et Slide a répondu à Sigval. Et donc maintenant, Siglav, pardon. Et maintenant, tout va être joué sur cette game. Oh là 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 là! Belle soirée ce soir! Belle petite soirée Orbital War comme on les aime. Allez, je suis déjà réinvité. Siglav. Il va en découdre. Luxuriance qui est choisi par le Zerg. M partout dans ce BO3. Siglav qui a gagné 2-1 sa demi. Donc là aussi match difficile. Slide qui a gagné 2-1 contre le Morse en demi. Match difficile également. Et cette finale, 1 partout. Match difficile également. Et oui. Donc, on va tout savoir maintenant. On va se faire plaisir. Ça y est. Bip, 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 bip. On y va. La belle des belles, la dernière. Le dernier match ce soir de l'édition numéro 15 de l'Orbital War. Sur Luxuriance C. Un partout. TVZ. Slide versus Siglav. Duel de Master. Et donc, on va apprécier le début du match. Devant Siglav, c'est la hatch de Siglav. Amusez-vous à faire des pronostics sur le chat, les chers viewers. Moi, j'ai vu deux très bons joueurs. Personnellement, je ne sais pas qui je mettrais gagnant. Ils ont tenté des choses tous les deux. Ils ont une bonne micro les deux. Ils ont une bonne macro les deux. Ils sont pas master pour rien. Ils sont pas arrivés par hasard. Ils ont pas volé leur place. Et donc, je ne sais pas. Si vous avez une idée, des pronostics, allez-y. Pendant que nous sommes dans l'early game. Slide, je vois des slides. Slide fanboys. Ah, on a des fans de Slide présents ici. Et donc pour l'instant, c'est Slide qui fait la majorité du coup. Le Terran. Donc Slide également. Intéressant. Eh bien, on va voir. On va voir. Il est vrai que Slide, on l'a suivi depuis un moment, donc on connaît son très très bon niveau. Mais je n'enterrerai pas le Zerg pour autant.
Ah, un petit peu d'eau, fait pas de mal. Allez, Ash First pour le Zerg. Normal. Un dominant qui va arriver et un drone qui va y prendre des informations. Dans la base Terran, la caserne qui va se terminer pour le Terran. Donc le drone qui arrive au bon moment puisqu'il peut rentrer. Allez, il essaye encore de ratouiller le SCV là. On le voit. Et hop hop hop, ça chatouille. Non, il préfère s'en aller. Si, hop. Oh oh oh, course poursuite. Et il ferme derrière, comme tout à l'heure. Orbital commandant, c'est par le Terran. Et je vais te donner la possibilité de le faire. Faire quoi? Ah, la possibilité de faire quoi? Alors on a des slides, on a du Zerg Power. Voilà, les Zergs qui se réveillent. Encore du slide parce que c'est Terran. Ouais, slide guy, je vous offre un pépito. Ok. Ok, on a un, c'est mitigé entre les deux. Il y a les airs qui sont réveillés d'un coup. Donc c'est du 50-50. Bah du 50-50 partout hein, du coup. On a le B2 qui est lancé par slide, la B2 par fini pour le Zerg, ce qui est normal. Que la B2 soit terminée en premier. Et on a le Reaper qui est en train de cribler de balles quelques drones. Est-ce qu'il en a eu? Parce que du coup je suis en train de regarder un peu les sondages. Non, il a eu personne pour l'instant. Juste les infos qu'il faut. Ah si, First Blood pour Slide. La Queen qui va sortir, qui va le terminer. Non, un Jackknife d'abord, c'est normal. Et paf, on essaie de choper le Reaper. Non, il va beaucoup trop vite pour cette grosse Queen. Regardez-moi ça, c'est un peu imposant. Voilà, on est déjà sur les deux queens. Il les a lancés en même temps, B1, B2. Donc il est sur le build 4 queens de base. Celui qui est très efficace face à Terran. Et qui permet d'avoir un très bon rôle avec les cryptumeurs. Et qui permet de repousser très facilement le push et Lyon. Donc c'est plutôt une bonne décision de la part du Zerg pour le moment. Alors voyons, est-ce que le Terran va repartir comme tout à l'heure sur un méca des familles qui a été surprenant? Eh bien je vais vous dire tout de suite que non, puisqu'il a rajouté deux Rax. Donc il donne une indication bioball pour nous. On a le réacteur, le LabTech qui est fini. Et à peut-être avoir le petit switch, pas encore. On rajoute deux Hélions de plus pour aller push le Zerg. Alors voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il manque un gaz ici, on l'a pas encore pris pour l'instant, oui c'est normal. On priorise le minerai, B3 prise par le Zerg. Donc on est bien au niveau timing pour le Zerg, c'est pas mal. Et on continue d'expandre le creep avec ses queens. Et là on va avoir une Evo Chamber, non, Terrain de Cafard, pardon, tant pour moi. J'anticipe un peu trop là. Je vais un petit peu trop vite en besogne. Voilà, les Evo Chambers, elles sont maintenant. Pour essayer de ne faire qu'un petit goulot de passage ici. Ah, ça y est, les queens qui ont vu les avions arriver. Et elles réagissent tout de suite. Voilà. Les petites sentinelles. Les sentinelles efficaces, il en profite pour expandre son creep tumeur du coup. Et c'est vraiment pas mal. Voilà, allez, les deux Evo Chambers qui pop. Ici. On a le Terran qui mitraille le dominant. Il l'a eu, il ferme son wall également au niveau de la B2. Il prend un gaz supplémentaire. On mule. Là, il a quasiment tous ses gaz à part un. Réacteur et compagnie. Caserne. Spatio. Voilà. La bioball qui va commencer à se mettre bien en place pour le Terran. Le steampack bientôt terminé. Et on place ses troupes ici. On aura des bunkers ensuite pour défendre. Je n'ai pas vu, mais ici, il y a le Haras de Hélion. Qui a l'air de bien fonctionner, mais attention quand même parce qu'on a les Roach et les deux Queens qui arrivent pour repousser tout ça. Ah là, attention, regardez là, c'est bon, ça tient. Et une Queen qui devrait rester ici pour pouvoir commencer à faire les injects en B3. Pas l'oublier, les dards sont plus importants que tout le reste en tant que Zerg. Là d'ailleurs, une inject à faire. Allez, allez, on n'oublie pas ces injects. Et ici aussi, oui, il a été pris par ce rush et il a oublié une série d'injects de larves. Alors après, c'est fait étonnant, il met T2 toujours sa B2.
Siglar, je l'ai vu sur les 3 games. C'est sa B2 qu'il met en T2. Certes, ça donne plus de vie. Ça permet de tenir plus longtemps sa B2. Mais je trouve que c'est en même temps un risque. Puisqu'on peut plus facilement perdre sa B2 et donc plus se faire ralentir par les techs assez vite. Alors c'est un choix, c'est un risque. Et ça peut se faire, hein, c'est pas choquant, mais c'est un choix de jeu. Et ici, donc, pas de larves. Si, voilà, la troisième queen qui est utilisée pour les larves et la quatrième pour le cryptumeur. À moins qu'elle soit tombée depuis avec les zélions. Non, elle est ici. Ces queens sont toujours en vie. Allez, on va aller voir un peu le terrain maintenant, où il en est. Donc il nous a rajouté un nouveau CC pour une B3. Ensuite, 3 racks. Ok, on n'a pas trop rien changé. On a juste rajouté ce bunker pour défendre. Et là, je vois que l'on va avoir du drop. Et ça, attention, Slide, il aime beaucoup les drops. Et il sait très bien les faire. D'ailleurs, on en a un ici. Premier drop, là. C'est parti. Et 3 drones tués, donc ça va, il a réussi à le défendre convenablement, Siglav. Il va commencer sûrement à positionner, ah ben déjà, les hydras. Et est-ce qu'il va nous mettre les sporuleurs Espagne derrière les lignes de minerai pour pouvoir défendre plus humblement? Attention là, oh joli, je tombe bien. Le double drop, eh oui, alors là, Slay, du coup, il a eu peur, alors qu'il aurait pu. Il a eu peur parce qu'il a vu les roches arriver. Et il tente de se graner la, de se glaner la queen. Et là, il y a un peu plus de roche du coup, et oui. Voilà. Ça va défendre du côté du zerg. Et une autre queen qui essaie de choper un medivac. Non, ce sera pas suffisant. Est-ce qu'en B1, on est encore dérangé par le terrain? Ouais, il s'est posé. Il steam. Il arrive. Il veut se faire la queen. C'est bien joué. Bien joué ça, Slide. Il a niqué la queen et du coup ça lui permet de ralentir la production de larves du zerg. Et là on a un vigilant en danger. Et il est mort. Et oui effectivement là c'est bien joué ce qu'a fait le terrain. C'est des petits trucs qui paraissent anodins comme ça. Mais voilà, regardez, une inject de larves qu'il fera pas. Puisqu'il est en train de faire une queen et il est supply block en plus. Donc ça le retarde clairement dans sa macro, tout simplement. Alors là, peut-être qu'à la rigueur, c'est bête ce que je veux dire, mais il injecte ici, et il a de l'énergie en trop avec cette queen, il la monte, il injecte là, et il revient. Il est peut-être même ici, là, peut-être même eu assez. Valait peut-être mieux faire ça. Pour économiser des nœuds neufs. Alors, voyons. Ah, j'ai entendu des reapers. Ouais, oh, le terrain qui attaque. Oh, Slide qui passe sur un gros push. Ça y est, Slide qui va... attaquer plein front sur poste B3. Poste B3 pour le terrain. Attention. Ouais, regardez, ça y est, ça va engager. C'est parti. Et on est parti sur une compo Rochidra pour le Zerg. Qui a l'air de même de fonctionner. Et oui, il repousse brillamment. Siglav repousse brillamment le terrain. Attention, là, le terrain qui se repose quand même en reculant, en attendant peut-être des renforts, voilà. Et du coup, il met en danger sa B3, le terrain, ouais. Et regardez là, la belle concave du Zerg. Ouais, le Zerg qui progresse. Oh là 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 là. Et il me semble qu'il arrive à... Ouais, il focus avec les Hydras, les Medivacs, les Marines qui sont en danger. Attention, oh non, un Medivac qui tombe. Oh là là, le terrain a perdu énormément, là, sur ce push. Le Zerg qui a sorti les crocs. Le Zerg, il a faim. Et le Zerg a repoussé le Terran dans ses 22. Et clairement, là, ça va être dur. Parce que le Zerg, maintenant, va push. Avec des Rochidra shootés à mort. Et là, on a un tank. On a un tank quelque part. Là, il me semble. Ou alors, c'est les mines qui ont pété. Oui, c'est les mines qui ont pété. Et on fait le dégât qu'il faut, les mines, pour défendre. Allez, il va falloir tenir ce bunker. Non, trop tard. Alors le terrain qui va devoir sortir ses drones, mais ça peut être poussé. Ça peut être poussé, mais attention, 13 roches en plus derrière, dans les nœuds neufs, en attente. Et la Siglarf qui est en train de faire une belle option sur cette troisième manche. Le Zerg qui est en train de faire le taf avec sa compo Rochidra face à Bioball. Oui, et le Slide qui a réussi à repousser. Et pendant ce temps-là, le Zerg... avec beaucoup de malice, prend sa B4 là où le terrain avait push à B3.
Et le contre a été fatal puisque le Zerg a repoussé l'attaque, détruit la B3 du Terran, remonté en B2 et a fait un sacré bordel puisque maintenant il a 63 drones face à 28. Slide qui doit vite réagir et qui devrait, je pense, voilà, faire ça. C'est ce qu'il va faire. Rien n'est fini. Il va drop et c'est sa spécialité. Il va falloir qu'il drop pour faire tourner la tête au Zerg. Et là, ouais, c'était une idée, mais le Zerg continue son attaque et il vient tout de suite essayer d'en finir avec Slide. Voilà, il monte. Attention, ouais, les mines qui vont dépop. Heureusement qu'elles sont là en première ligne de défense. Un joli petit split d'unité là de Sigdarm. Et ça, les Sigdarm commencent à rentrer. De l'autre côté, on a le drop de. Oh là 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 là, ouais, Slide est là, mais. Il cherchait peut-être les techs. Et du coup, le Zerg qui back. Le Zerg qui back. Et là, du coup, Sigdarm qui en profite. Attention de ne pas perdre le Medivac. Voilà. Il en aura perdu un. Il en reste toujours un. Il n'y a plus d'énergie maintenant. Et le terrain qui tente de faire du dégât. Tout ce qu'il peut. Le Zerg a préféré back pour éviter de perdre des bâtiments de prod. Le terrain qui continue de faire du mal au sein de la B1. Ah, il aurait voulu faire tomber la poule, mais non, trop tard. C'était une idée, mais la poule ne sera pas tombée. Et Lara réussi à nouveau à défaire des queens, mais là avec celle-ci il peut recharger clairement les 3 hatches sans problème. Et avec celle-là aussi. Et là le Zerg, ça y est, maintenant il a fait, je pense, pour lui le plus dur. En ayant débouté le Terran de la sorte, il est presque pop 200 le Zerg. Et c'est sur cette marche triomphante, j'ai envie de dire, qu'il va arriver. Et voilà. Oh, il y a encore quand même un beau package du côté Terran. Oui, oui, le Terran. Oui, oui, oui. Oui, Slide. Oh, joli. Oh, joli. Et Slide qui tient debout. Slide qui ne tombe pas, qui ne lâche pas pour l'instant. Il a circulé un peu les roches, il les repousse. Oh, c'est bien joué ça de la part du Terran. Il tient bon le Terran. Et il cherche son 3 d'attaque. D'ailleurs, on va regarder, il en est à 2-2. Ça peut être déterminant ça, face à 2-2. On est kiff-kiff pour l'instant. Et là, c'est le Terran qui va essayer de retarder un peu le Zerg. C'est dur quand même pour le Terran, c'est très très dur cette partie. D'autant que voilà, il va aller poser cette P3 qui lui est chère. Puisque là, en termes de macro, il est en dessous, 3 fois en dessous du Zerg. Regardez. Voilà. Et ça, c'est difficile pour le Terran à gérer. Car là, le Zerg a pris cette option et il la tient et il va continuer. Il a bientôt la moitié de la map à lui, vu que la Crypt Humeur s'arrête à peu près là. Donc il est vraiment très très bien. Allez, on va voir cette fight, cet engage. Regardez l'armée du Zerg, comment elle est imposante. Elle est immense, l'armée du Zerg. Et c'est la victoire de Siglav ce soir. GG de Slide. Voilà. Eh ben ça, heureusement qu'il y a eu le réveil des Zergs sur le sondage tout à l'heure, parce que ça a un petit peu du coup contredit les sondages. Siglav l'emporte sur une magnifique partie. C'était une magnifique dernière partie de la part du Zerg. C'était ouais, une compo Rochidra face à Bioball, ça peut se faire, hein. J'ai pas dit que ça se fait pas, mais c'est un choix, c'est une décision, mais faut le gérer. Il l'a fait. Et oui, il a vu son pépito qui commençait à se barrer, ouais, tout à fait. Voilà, et donc on va quand même féliciter les deux joueurs ainsi que l'ensemble des participants de cette Orbital War qui aura été vraiment assez intense. Et on va bien évidemment on va pouvoir assister au couronnement de Siglav. Donc pour ça, il me faut ceci.
Et donc ça me fait bizarre de pas écrire sa fille aujourd'hui. Ça, c'est bizarre, je dois changer mon interface du coup. J'étais devenu un feignant, moi, toujours le même champion, hop hop hop, on prend ses habitudes. Et non, ce soir c'est Siglave le champion. Donc on va se quitter évidemment avec la musique du champion. Juste petite parenthèse pour dire que la line-up OC Shockline des League of Legends sont en 8ème de finale du tournoi Red Eyes. Donc on les félicite pour leur victoire en playoff. Je sais que vous attendez tous, en tout cas beaucoup d'entre vous l'ont demandé, notre petit Eyes of Fallen qui effectivement participera à l'Orbital War, il vous l'a dit. Mais on est en train de prier pour qu'il ait une connexion digne. Donc ça viendra. Voilà. Eh bien, merci à tous d'être venus ce soir. On se retrouve pour les Orbital War, évidemment, dimanche prochain, comme tous les dimanches, pour la 16e édition. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Là, vous retrouverez l'ensemble des programmes de la team. Il y a un peu de tout en ce moment. On passe un peu par tous les jeux, en plus des tournois officiels et des sections officielles, voilà. Donc on essaie de faire découvrir un peu de tout à ceux qui aiment le jeu vidéo en général, c'est le but. Et apparemment il va y avoir une reprise de la TV1 juste derrière, donc si vous voulez continuer de rester sur cette chaîne là n'hésitez pas. Moi en tout cas je vais rendre l'antenne en ce qui me concerne. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt.